je vous dis bonsoir parce qu'il est 22h20. Voilà. Et je voulais vous faire une petite vidéo. Donc, comme vous avez vu dans le titre, c'est les Santoro Panini. Donc, on commence à les voir pas mal sur Facebook, sur Instagram. J'ai toujours mon chat dans la gorge, je ne sais pas pourquoi. Et je suis une fan aussi des Gorgus. Et je ne savais pas que c'était sorti en Panini. Donc, aujourd'hui, j'en ai vu pas mal sur Instagram. Et donc, j'ai regardé comment les filles les avaient eues. Et quand j'ai vu que c'était Panini et qu'elles avaient eu chez leur marchand de journaux, j'ai couru tout de suite chez mon marchand de journaux. Et voilà, Fifi, qui a entendu que je faisais une vidéo. Et en espérant qu'elle les avait. Et elle les avait. Donc, j'ai déjà, bon, quand je les ai pris, le petit mot pour rire à la dame, à la patronne, je lui ai dit, bon, ça, c'est pas pour un enfant, c'est pour moi. Elle fait, oh, ben, vous inquiétez pas, je n'ai que des adultes qui viennent les chercher pour eux. Et elle m'a dit, en plus, elle me dit, la plupart, c'est des dames qui font du scrapbooking. Je dis, ben, c'est normal, tout à fait normal. Moi aussi je fais du scrap et les scrapeuses et les gorgus, ça c'est tout à fait normal, on en est fan. Donc j'ai réussi à avoir le kit de départ, c'est-à-dire le petit album. Bon, là j'ai déjà déballé, hein, donc c'était dans une pochette normalement, mais le petit album déjà, voilà. Oups, ça fait des reflets. Donc, pour qu'on puisse ranger donc nos cartes, voilà. Donc là, j'en ai déjà rangé quelques-unes. Oui. Donc, je ne sais pas en tout. Alors, en tout, il va y en avoir... il y a 108 cartes à collectionner. Voilà. Donc, là, la couverture, voilà, ça fait ça. Oh, ça fait vraiment des reflets, je suis désolée. Que je me pose sur mon ordi en même temps parce que je suis en train de charger une vidéo. Voilà. Et là, celle qui est derrière, voilà, ça fait ça. Et je vais vous montrer les modèles cartes parce que bon, j'en ai déjà le double, hein, bien sûr. Là, j'en ai 4 en double. Et voilà ce qu'on a comme carte à collectionner. Elles sont magnifiques. Il n'y a que Fifi, là il y a son arbre à chat, c'est pour ça, elle est en train de manger. Vous voyez, voilà les cartes à collectionner. Et ça fait un peu la grandeur d'une carte postale. Et elles sont super belles, en plus elles sont comme plastifiées sur le dessus. Donc elles sont vraiment très très jolies. Donc derrière, elles sont numérotées. Voilà, ça c'est celle que j'ai déjà en double, mais bon, on fera des échanges avec les copines. Voilà, ça c'est celle que j'ai en double. Et donc dans chaque pochette, donc les pochettes, bah, comme pour les, si vous avez des enfants qui faisaient les panini football, hein, donc on a les petites pochettes comme ça. Donc voilà, ça c'est la petite pochette. Et dedans, on en a, je ne sais plus, combien il y en a, 6. Donc, il y a 6 cartes à chaque fois dans une pochette. Et les pochettes, on les paye 1,50 €. Voilà. Et dedans, à chaque fois, vous avez la checklist. Donc, moi, j'en ai gardé qu'une. Hein. Comme ça, je vais pointer celle que j'aurai déjà. Voilà. J'en ai gardé 2, pardon. Là, une pour où je vais pointer celle que j'ai déjà, les cartes, et une où je vais pointer celle que j'ai en double. Voilà, comme ça, je saurai. Et donc là, moi, j'en ai déjà, parce qu'en tout, alors, dans le kit, donc vous avez
le petit classeur comme ça, hein, avec toutes les petites pochettes en plastique. Vous avez les deux couvertures que vous devez glisser dedans. Vous avez donc deux pochettes comme ça, de vignettes. Donc ça vous fait déjà 12 vignettes à l'achat. Et puis c'est tout. Voilà. Donc à l'achat, ça vous coûte 9,50 € au début. Et ben après, vous n'avez plus qu'à ranger vos petites cartes. Hein. Comme les enfants avec leurs vignettes. Voilà, bon, à part que nous, on ne va pas les coller. On va juste les insérer dans les pochettes. Donc, il n'y a rien à coller. Et on ne les abîmera pas. Et les Gorgeous. On va pouvoir les garder près de nous. Et en plus de cette collection, il y a la collection des petites figurines Gorgeous. Et qui sont, elles, parfumées. Bon, le parfum ne va pas rester longtemps. Hein. C'est surtout quand on ouvre le paquet, on sent beaucoup le parfum. Mais bon, je pense qu'à la longue, après, le parfum va partir. Donc là, pour l'instant, je n'en ai acheté que deux. Parce que les petites figurines, elles, par contre, coûtent 3,50 € le petit sachet. Donc, c'est un petit sachet comme ça, vous voyez. Et là, vous en avez 12 à collectionner. Voilà. Je vous montre. Voilà, ça c'est les 12 qui sont à collectionner. Donc ça c'est pareil, vous risquez d'avoir des doubles. Donc c'est pareil, ça on va échanger avec les copines hein, quand il y aura des doubles. Donc moi voilà les deux que j'ai prises, que j'ai eues aujourd'hui. Voilà, donc celle-ci. Donc elles ont un petit socle en forme de cœur. Je vous montre derrière, voilà. Alors celle-là, elle sent un peu la vanille, je pense. Ouais, je pense qu'elle sent la vanille, celle-ci. Et la deuxième, voilà. Ouais. Et elle, elle sent un peu le... Je sais pas, la rose ou la violette, je sais pas. Mais elles sont super belles. Donc là, il y en a 12 à collectionner. Et, mais je crois que ça fait un petit moment que c'est sorti. Mais moi, je ne les avais pas vues tout de suite. C'est bien dommage. Et donc, dans chaque pochette, vous avez un petit carnet comme ça. Voilà. Vous avez un petit carnet comme ça. Où dedans, il y a des petits jeux. Voilà. Vous voyez, on peut découper des petites Gorgeous. Bon, là, ça va, on va pouvoir plus le donner aux enfants. C'est des petits jeux. Vous voyez. Ça, je pense que je vais donner à mes petites filles. Et, ah, mais voilà, il y a les parfums. Je les ai. Alors. Ah, voilà. Alors, elle. La bleue. Voilà, j'ai les parfums. Elle est haute. Thé sucré. Oui, thé sucré. Moi, je chantais la rose plutôt, mais bon. Et donc, la deuxième, c'est fleur de miel. Oui, bon. Donc, elle sent la fleur de miel. Voilà. Donc, voilà les 12 qu'il faut collectionner. Donc il y en aura, alors il va y avoir une qui va sentir le concombre et le melon, une qui va sentir la rose paradis, peau pourrie de fruits, jardin des rêves, grenade, guimauve, ça va sentir bon celle-là. Poire et baie, les érelles, il y en a encore une qui sortira, ah non, là c'est jardin de rose, et la dernière, orange et citron, voilà.
On verra combien de temps elles vont sentir, mais ce n'est pas le parfum qui m'intéresse le plus. C'est surtout les figurines. Voilà. Donc ça, il y a des petits jeux, je vous dis, dedans. Voilà, des petits conseils. Alors, il y a des conseils dedans. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, c'est écrit dans les deux langues. Ah, il y a même il y a des recettes aussi. Il y a une recette de pancake au miel. Voilà. D'accord. Donc, à chaque petit carnet, il y a une recette différente. Donc, il faudra que je garde chaque petit carnet. Voilà. Quelle fleur choisiras-tu pour offrir? Ah bon. Donc c'est pas mal. Mais bon, c'est un petit plus. Donc voilà, je voulais juste vous faire cette petite vidéo donc pour vous montrer si vous ne connaissez pas donc, cette petite collection de Gorgus. Et de donc la collection d'images de Gorgus. Voilà. Oui, j'ai 55 ans et je collectionne les Gorgus. Eh oui, il n'y a pas d'âge. Bon, écoutez, il faut bien qu'on se fasse plaisir un petit peu. Hein, j'ai de temps en temps. Mais les cartes sont vraiment très, très, très belles. Très belles, vraiment. Donc, et puis, bon, encore, même quand vous en avez en double. Vous pouvez vous en servir pour faire des cartes, pourquoi pas. Donc, non, elles sont vraiment très jolies. Donc voilà, ben, c'était juste une petite vidéo pour vous parler de cette collection. Je vous montrerai peut-être un petit peu à la fois ben, les Gorgus que j'aurais reçus, hein, celle-ci. Et que ben, je vais de temps en temps j'irai en chercher parce que bon là c'est 3,50 le petit paquet donc je vais pas aller en chercher tous les jours quand même mais bon si je vais m'en chercher une ou deux une par semaine ce sera bien voilà et pour en avoir 12 puis on verra bien après s'il y a des doubles je ferai des échanges avec les copines donc si vous faites la collection aussi ben, dites-le moi. Et si vous êtes intéressé pour qu'on fasse des échanges avec nos doubles, bah dites-le moi aussi. Pourquoi pas, on se le fera. Donc voilà. Bon, bah je vais vous laisser hein, parce qu'il va être tard. Il faut aller faire dodo maintenant. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Là, je termine de charger une vidéo sur une page de scrapbooking donc que vous aurez avant celle-ci. Et on se retrouve rapidement pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Donc la prochaine sera certainement pour le cartonnage, pour la boîte dont je vous ai parlé. Voilà, et désolée pour la mauvaise luminosité aujourd'hui, là, mais bon, là je suis dans mon salon, donc c'est compliqué. J'ai l'ordi en pleine face, la lumière comme ça. Donc c'est un petit peu compliqué pour la lumière. Voilà. J'espère que vous m'en voudrez pas. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous voyez là, je suis dans le noir. C'est le téléphone qui fait ça. Je ne sais pas pourquoi. Et on se retrouve très très vite. Gros bisous. À bientôt.